fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou quand vous kangou jump. Et ça fait kangou. Lily Rose, je t'ai déjà dit de pas faire. Eh oh, Lily Rose. Lily Rose. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette chaise? Bon, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, une grosse catastrophe, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer ici. Parce que j'étais tranquillement en bas, j'étais en train de... Attends, mais j'entends un bruit. Mais qu'est-ce que... Ah, t'es là toi? Mais de quoi t'es là? Mais c'est toi, qu'est-ce que tu fais là? Non mais... Oh là 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 là. Non mais de quoi, oh là là? Bah non, ça me fait rire, regarde. Bah oui, justement, c'est ça que je me posais comme question, qu'est-ce que ça fait là? Bah c'est moi qui l'ai ramené, cette chaise. Mais c'est quoi cette chaise? Alors, que je t'explique. C'est une chaise... Attends, attends, d'abord je vais expliquer des choses aux abonnés là, parce que j'étais en train de commencer une vidéo. Bon, d'accord. Tu vas pas m'arrêter comme ça. Bon, les amis, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que la situation est catastrophique depuis hier soir. Moi, je suis encore un petit peu malade, vous l'entendez peut-être à ma voix. J'ai un... Voilà, la preuve, je tousse. J'ai encore un peu de mal, etc. Donc en ce moment, on fait pas de vidéo. Et du coup... On n'avait pas démarré de vidéo hier soir par rapport à ce qui s'était passé, mais là ça continue du coup depuis hier et toute la journée d'aujourd'hui a été catastrophique. C'était vraiment n'importe quoi. En gros, dès que je regardais pas quelque part, en fait, dès que j'allais dans le salon, je faisais mes affaires ou dès que j'étais dans la cuisine en train de cuisiner ou de manger, j'entendais des énormes bruits dans les pièces du haut. Ici, regardez, là il y a le fauteuil roulant qu'on utilise parfois pour faire des vidéos et ce fauteuil roulant là. Tout seul, je sais pas comment c'est possible, il a déroulé les escaliers comme ça, il est tombé, j'ai entendu un énorme boom sur le coup, j'ai cru que c'était Lily Rose qui était tombée carrément, tellement c'était un énorme bruit quoi, je pensais que c'était quelqu'un de la taille de Lily Rose quoi, et là, le truc c'est que j'ai entendu, j'étais en bas, il y a... Non mais qu'est-ce qu'elle fait? Rastama. J'espère que c'est pas elle qui fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et oui, donc c'est ce que je vous disais, toute la journée j'ai entendu des bruits. Une grande catastrophe. Et là, alors... j'ai entendu comme si... Bah, je pense que c'est ça, je pense que c'est la chaise. Comme si un meuble était carrément tombé du plafond, quoi. Enfin, je comprends pas. Un meuble qui tombe du plafond jusque-là. Bon, ça y est, je suis revenu là. J'ai expliqué aux abonnés la situation catastrophique en ce moment. Et je pense que tu y es pas pour rien, malheureusement. Attends, j'ai pas fini de jeter un sort sur la chaise. Comment ça, tu jettes un sort sur la chaise? Oui, j'ai trouvé un nouvel amusement. Je jette des sorts sur les objets, et puis ils font n'importe quoi. Mais c'est toi qui fais ça depuis hier. Ben oui, qui veut que ce soit. Non mais t'es folle ou quoi? Depuis hier soir, c'est ce que j'étais en train de dire aux abonnés. Dès que je suis dans une pièce, j'entends des objets qui tombent à l'opposé. Je suis en bas. J'entends des objets tomber en haut, je vais en haut, j'entends des objets tomber en bas, et tu sais, Lily Rose a tellement peur maintenant. Bah elle est plus là. De quoi elle est plus là? Non, ça lui fait peur. Bah oui. Bah si elle a peur, elle est partie en courant. Bah oui, bah c'est ça le problème, c'est qu'elle est partie en courant. Ça marche. D'ailleurs, je vais vous expliquer. Oui, vas-y, jette des sorts à ta chaise là. De toute façon, elle est tombée du plafond, elle tombera pas plus bas. Ça arrive, je le pose ici. Ouais. C'est ce que j'allais dire les amis, Lily Rose tout à l'heure dans la matinée, en fin de matinée, je crois qu'il était 11h, 11h30, a vu un objet se déplacer tout seul. Alors je sais plus ce que c'était, je crois que c'était ça justement, c'est un bidon pour les machines à fumer. Et elle est sortie de sa chambre, elle a vu l'objet passer dans les escaliers. Donc un peu comme le fauteuil roulant, c'est tombé comme ça, sauf que là c'est tombé par le trou là, il manque une barre. C'est tombé là et ça s'est posé sur une marche. Mais elle m'a dit tout seul. Le truc a glissé. Bah du coup je pense qu'on a la réponse. En fait c'est la sorcière qui fait n'importe quoi depuis le début. Et qu'est-ce que... Rastami. Non mais hey, stop. Qu'est-ce que tu fais avec cette chaise au juste? Je termine mon sort. Alors que s'explique, tu veux regretter. D'ailleurs c'est quoi ça? Si on va regarder ce que c'est. Je ramène des objets chez nous. Je vais... Laisse. Qu'est-ce que c'est? C'est ma nouvelle baguette. Comment ça c'est ta nouvelle baguette? Avec mes pierres magiques. Ah, c'est quoi ça? Surtout touche pas, c'est des pierres magiques. Des pierres magiques? Oui, c'est... Alors, à chaque pierre... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu prends une pierre... Ah bah non, tu peux pas. Ah oui, bah je peux pas les prendre, ça me donne de l'électricité là. Il y a que moi qui peux les prendre. C'est des pierres. Et c'est quoi cette chaise là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, attends. Bon, je vais me poser un peu, heureusement qu'il y a... Pas tout de suite. Petit bébé pisse. En plus j'ai cassé la chaise. Mais non, c'est mon sort. Mais c'est quoi ça? Vas-y, bouge cette chaise d'ici. Non. Si.
Regarde. Attends, les amis, vous avez vu ma réaction quand je me suis assis sur la chaise, là? J'ai senti comme si de l'électricité passait partout dans moi. Pourtant, la chaise, elle est branchée à rien du tout. Et j'ai vu plein de choses dans... Il y a eu plein de choses dans ma tête qui se sont passées. J'ai vu plein d'images bizarres. Oh, mais c'est... Ça a marché. Non, mais écoute, c'est quoi cette chaise? Mais j'ai ça. Alors, quand tu t'assois... Tu tombes et puis tu vois plein de choses, tu vois plein de... Je sais pas. Bouge de là, bouge de là. Attends. Ça va commencer. Oh punaise. Oh punaise, la caméra. Oh punaise. Oh, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Pourquoi je suis dans le couloir? J'étais sur la chaise. Il s'est passé quoi là? Je sais même pas ce que la caméra a filmé. Ah, t'es là. Je sais pas, je me suis déplacé. Alors, que je t'explique. Tu dis... Alors, quand tu t'assois sur cette chaise... Oui. Bon, tu disparais, mais... ce que j'arrive pas à faire, c'est que tu réapparais, mais je sais pas où. Et t'étais où alors? Attends, mais j'étais dans le couloir, moi. Ah, dans le couloir? Je pensais que t'étais au grenier, moi. Non, non, je me suis assis. Bon, faut que je rectifie mon sort, alors. J'ai tremblé et après je me suis retrouvé dans le couloir. Bon, attends, j'ai besoin de ma nouvelle baguette, magique. Bon, vas-y, joue avec tes pierres, là. Redonne-moi la chaise normale. Je veux que quand on s'assoit dessus, il se passe rien, d'accord? Oh, là, je veux l'histoire. Bon, et t'arrêtes. Et t'arrêtes de déplacer des objets chez nous comme ça. Là, ça va être encore un peu plus compliqué. Sinon, l'ireuse va pas revenir. Bah, et d'ailleurs, là, tes pierres là. Laisse mes pierres. Je pense que t'en as pas besoin, je vais les garder. Alors. Bon. Attendez, les amis, je vérifie si dans le couloir il n'y a pas d'autres objets qui ont bougé. Parce que c'est ça le problème avec la sorcière, c'est que. Il se passe plein de trucs. Alors, ça, c'est quoi? Je vais essayer de prendre. C'est aimanté. Attendez, je vais tester un truc. Ça me rappelle quelque chose. Je crois qu'elle nous avait déjà parlé des pierres magiques comme ça. Apparemment, une pierre égale un vœu. Si on arrive à la garder dans sa main comme ça et qu'on fait un vœu, normalement, c'est censé marcher. Attendez, même si ça fait un peu d'électricité. Ah ! Attendez. Ah, ça me fait des joutes comme ça. Bon, que la sorcière nous laisse tranquille pour aujourd'hui. Ah, c'est bizarre. Ça a pas l'air de marcher, hein. Bon, c'est bon, là, t'as fini avec cette chaise. Alors, attends, je vais m'asseoir, j'espère que ça va marcher. Oula, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais elle est où? Mais elle est où? Elle est où? C'est pas possible. T'es où? Je l'ai entendu crier, mais... Peut-être que le vœu a marché. Elle nous a laissé tranquille. Ah oui, bah si c'est ça, la chaise nous a bien servi. Je sais pas si c'est la pierre ou la chaise qui l'a fait disparaître, mais Ah oui, c'est parfait, elle est même plus là. Ah bah tiens. Esteban, qu'est-ce que tu fais là? J'entends des bruits, des cris. Ah bah c'est bon, je crois que j'ai entendu la sorcière. Ah oui, c'est la sorcière qui était venue. Mais... Une grosse catastrophe. Mais qu'est-ce qu'elle fait cette chaise là? Ouais, bah tu peux la descendre. T'inquiète pas, tu peux la descendre en bas. Attends, raconte-moi. Tu peux la descendre. Bah je sais pas, c'est la sorcière qui joue avec nos meubles. Elle s'est mise en tête de déplacer tous nos meubles. C'est elle qui déplace nos meubles? Ah oui, bah même les objets. Hein. Et tu sais que le meuble en bas est à l'envers? Non. Mais si, le buffet. C'est elle. Bah récupère la chaise et la couverture. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle a mis une couverture sous la chaise. Non, cette sorcière, moi j'en ai assez, c'était bien. Bah moi aussi, tu penses que ça me fait plaisir? Et t'as fermé la porte au moins? Mais elle rentre pas par la porte, c'est très bien. Elle arrive à rentrer par la fenêtre, je sais pas, faire, là, ou par la cheminée. De toute façon, même si on lui interdit de rentrer, elle y arrive toujours. Bon. Les chaises, les meubles. Ouais, d'ailleurs, elle a laissé sa pierre magique là. De quoi? C'est des pierres qui servent à faire des vœux. Bon, tu l'as utilisé? Bah, j'en ai utilisé une. Apparemment, ça marche. Et au fait, et Lily Rose, elle est où? Ah bah, elle s'est enfuie à cause de toutes ces histoires. Comment ça? Ouais, t'inquiète. Bon, les amis, franchement, c'est n'importe quoi. En attendant, ce que vous pouvez faire, si vous aimez bien nos vidéos, on a sorti une marque de vêtements qui s'appelle Pink Lily Shop. Normalement, ça apparaît juste là. Ou c'est dans la description, vous pouvez aller voir, on a des pulls, des t-shirts, des gourdes, etc. Donc c'est super cool. Et sinon, vous pouvez liker cette vidéo si vous avez aimé, vous abonner, activer la cloche, mettre un commentaire de ce que vous aimeriez bien voir en vidéo. Et bah, surtout, à tout de suite sur Pink Lily Shop ou aller voir une autre vidéo qui apparaît ici. À plus !